Salut les amis, bienvenue sur Michel Z TV. Merci de nous rejoindre pour ce premier rendez-vous hebdomadaire sur Michel Z TV. Il s'agit d'un magazine consacré à l'actualité de Michel Z, moi-même, et celle de mes amis, notamment les Witch Doctors. Ce magazine est placé toutes les semaines sur ce channel YouTube. C'est vrai que c'est assez narcisso-nombriliste. Au sommaire aujourd'hui, quel été ? Un été médiocre pour la météo, mais plein de gigs. Coup de cœur pour un excellent groupe de country, les West Hillbillies. Et enfin, quoi de neuf ? La gig de samedi prochain au Pot à l'Art à Villers-Bocage. La météo fut médiocre cet été. Le pouvoir d'achat et le moral des ménages étaient en baisse. Mais il y avait une chose qui s'est trouvée en forte hausse. C'est le nombre de gigs de Michel Z. 9 dates sur juillet et août. Reportage. Tout commence le 11 juillet par une date à Langrune-sur-Mer. Avec les Witch Doctors. Ce jour-là, il y a de l'orage, mais l'orage s'arrête juste pour que nous puissions jouer. Le lendemain, je joue acoustique au Cactus, de façon impromptue. Le 16, c'est à Ouistreham, devant le bar le Ouistiti, que je fais reluire la trompinette. Et le 19, de nouveau au Cactus, pour la fermeture annuelle du bar. Brel, Brassens, uniquement des chansons françaises. Le mois de juillet se termine à Langrune, le 25, avec les Witch Doctors. Il y a un peu de pluie, mais nous réussissons à passer entre les gouttes. Août, ça commence le 8, avec une excellente gig à Lyon-sur-Mer. C'est un endroit où je retournerai certainement, le café de la plage. Le 15 août, c'est un nouveau Witch Doctor qui fait son apparition. Benoît Ocajon. Extrait. Enfin, le 22 août, c'est à Langrune, dans notre fief, que nous clôturons l'été sur la côte de Nacre. Allez, encore un petit extrait. C'est à la Fête des Ânes à Kerqueville que l'équipe de Michel Z TV a découvert le groupe West Hillbillies, un excellent groupe de country de la région de Rennes. En plus, ce sont des gars très sympas. Reportage. West Hillbillies, c'est un groupe de country. Mais il va chercher aussi les racines du country, le work song, la musique cajun. Et à l'occasion, il ne dédaigne pas un peu de rock'n'roll ou du blues. Ils sont très présents sur le web, puisqu'il y a 3 sites. Le site officiel,
un site parallèle fait par le chanteur et un MySpace. Nous vous conseillons plutôt le site officiel westhillbillies.free.fr. L'équipe de Michel Z TV les a découverts à Kerqueville, à la fête des ânes, et a vraiment apprécié la prestation de ce groupe. Voici d'ailleurs un petit extrait. Man, a true love was never meant for me. Time goes by, we never can agree. Le Pot à l'Art, c'est un restaurant de cuisine traditionnelle qui propose des expositions et des concerts. Tenu par un ancien metteur en scène de théâtre, c'est vraiment un endroit à découvrir. Rendez-vous donc samedi prochain pour une gig, probablement avec des amis. Le Pot à l'Art est un restaurant à Villers-Bocage. Il propose de la cuisine traditionnelle, des expositions et des concerts. Romain, le patron, est un ancien metteur en scène de théâtre. Souvenez-vous, le 20 juin dernier, j'y jouais avec Mourad et Cubain. Eh bien, je remets ça, le 30 août 2008, samedi prochain, rendez-vous à Villers-Bocage, au Pot à l'Art. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous pourrez suivre un dossier sur les petits bœufs du Café de l'Orne. À la semaine prochaine donc, salut les amis, et vive les éléphants.